Eh bien bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un box, une souris à 1€ et à 5000 likes, et bah on peut éventuellement l'exploser tout simplement. Donc ça ne tient qu'à vous les mecs. Bref, on va ouvrir cette souris, le colis est un peu pété. On peut voir qu'il y a de la boue sur le truc. Je pense qu'il est tombé du camion, je sais pas ce qu'il y a eu. Bref, j'ai un peu peur quand même, hein. J'ai un peu peur de la qualité du produit. Une souris à 1€ chroma, je vais voir. Voilà, j'espère que je l'ai pas cassé, ils l'ont bien enroulé. Je pense qu'ils se sont dit on va le protéger parce que il y a des cons qui vont la casser. On va l'ouvrir, j'espère que ça vous plaît ce genre de petite vidéo. Assez funny comme on dit. On dirait une boîte de jeux de société vraiment, genre. On dirait vraiment une boîte de jeux de société. On va l'ouvrir tout simplement. Un petit aperçu de la boîte les mecs, c'est comme ça. Donc c'est vraiment un produit. C'est vraiment un produit chinois. Enfin genre, vous pouvez voir que... Genre voilà quoi. Vous pouvez vraiment voir que genre... Enfin c'est pas traduit hein, en anglais. Donc du coup c'est pas grave hein, je sais comment ça fonctionne une souris. Par contre ça me fait vraiment beaucoup de papier bulle, franchement je pense que je vais en faire quelque chose, je sais pas. Proposez-moi un commentaire. Bref, on va ouvrir cette boîte. Voici la souris, on va l'ouvrir tout simplement. J'ai peur de l'arracher, j'aimerais bien garder, conserver la boîte quand même. Du coup on va l'ouvrir pas comme un barbare mais comme un être. Un être comment on appelle ça? Putain merde. Oh putain, un être vivant normal tu vois. Bref, voilà la souris les mecs. J'espère vraiment que je vais pas me faire arnaquer. Ok donc ça on balance. En fait le câble il est vraiment tressé, enfin encore ça va, j'ai cru que ça allait être plus de la merde que ça mais non. Ça va encore pour le câble, il est vraiment bien foutu quand même. Ok, on va la brancher puis je vais vous montrer le RGB, le rainbow comme on dit. On peut voir un putain de RGB quand même pour l'instant. Je sais pas si c'est réglable. Ok, il y a le bouton des DPI. Donc pour l'instant les mecs, le rainbow, le RGB se voit bien dans le noir. Après reste à vérifier si en jeu bah elle passe ou pas. En tout cas on se retrouve en jeu tout simplement avec la souris. Puis on va faire des tests, des RV1 etc etc du rush. Et on va voir si vraiment l'aim elle est bien ou pas. Donc du coup bah on se retrouve tout simplement en jeu. Ok, je vais inviter Aropi, t'es déjà dans un groupe, je vais t'enculer. Du coup les mecs on se retrouve en jeu avec la souris tout simplement. Je trouve vraiment magnifique la souris. Et encore ça va franchement pour 1€ on peut bien jitter avec pour l'instant. Clairement ça va, du coup on a dû la remplir en Ika Brain puis après en rush fast. Par contre la molette c'est, je pense c'est le seul défaut en fait parce que la molette elle est vraiment bizarre. Elle a un petit côté genre assez dur on va dire. Et du coup ça fait que genre c'est pas très précis en fait. Mais bref, c'est qu'un petit détail. Donc voilà les mecs, le rainbow, le RGB, appelez ça comme vous voulez, franchement. Les couleurs sont vraiment magnifiques je trouve. Et le design bah tout simplement de ferraille ici, il est vraiment super. Il est vraiment cool je trouve. Je crois qu'il revient mon rey. Je crois qu'il allait y promener mon gros chien qui a la même gueule que toi. Je me chie pas dessus, désolé. Non mais mec, il s'est pas chié dessus, il avait envie de chier, c'est pas pareil. Tu m'as dit qu'il s'était chié dessus limite. Bah oui, parce qu'il a pas envie de chier, mais bon, il s'est pas chié dessus mon pote. Non, c'est un bonhomme ton chien. Et pue la queue. Fils de pute. Fils de pute. Mec, t'es tellement... Allez, facile, facile, facile dans les commentaires les mecs. Bon bah voilà. Une fois, je dis pas. Facile, un peu facile quand même je trouve. Ouais vraiment la molette elle est vraiment pas précise hein. Bon voilà, c'est vraiment pas très compliqué de jouer avec cette souris. Arrête de tricher. Minecraft c'est pas un jeu fait pour la... Attends, par contre j'ai quand même posé mon verre par terre parce que j'ai pas envie de le briser comme un vitre. Comment en live il a fait tomber son putain de verre. Quoi? Non, 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 non. Le poirier. Ouah, comme j'ai mis une quéquette. Ouah. Du coup on va lancer en ce mode de jeu et puis on va voir s'il est nul ou pas. Normalement il est nul hein, donc y a pas de soucis. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait parce que j'apporte de la valeur à ma vidéo. Et c'est vraiment la phrase culte maintenant, j'apporte de la valeur à ma vidéo. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Si vous voulez plus d'unboxing bah abonnez-vous tout simplement. T'as un mic shot, moi j'ai une poire en pleine gueule. Anti-brain, allez go, allez. Eh votre pote comment il force. Eh votre pote comment il force, ta gueule tu pue la queue, tu comprends ça ou pas? Ta gueule tu pue la queue, tu comprends ça ou pas? Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule, sale fils de pute, faut me faire, t'es sûr. Mec, tu sens le slip trouille de Daniel, ferme ta gueule. Mais mec, de quoi tu parles, Daniel, gros? Il a de la merde sur la zeuve. Il a pas un caleçon basique, tu vois. Mec, c'est incroyable, mais genre, t'as toujours envie de te pisser dessus, gros. Dans la vidéo de DPI, t'as dit, je dois aller vomir. Non, pas vomir. Donc, du coup, on va la battre, puis voilà, hein, facile. Arrête. T'es un cheater. Tu cheats. Non, non, vrai. Non, c'est impossible. Lâche une poire, lâche une poire. Non, il y a mon père, c'est impossible. Non, non. Ah non.
le tribunal m'a appelé, ils m'ont dit de venir sur place. What? Ouais, mec, vraiment, non, mais mec, mon daron, il me casse les couilles en vrai. Genre, toujours dès qu'il parle, ouais, tout, ouais. Mais soyons vrai, mec, t'avais combien de gang, tu m'as dit hier? Pète un coup, ça va bien se passer, tu vois. Genre, toujours, il est en mode, ouais. Enfin, ça dépend, il y a des moments, il est en mode gang, mais très rarement. Tu préfères que ton daron soit en mode gang? Bah, je t'avoue, c'est quand même mieux parce que toujours, ouais, on va aller dans un palace, mec, en fait, non. Mais mec, le truc, c'est qu'il y a des moments, gros, il m'emmène dans des palaces, mais genre, ça sert strictement à rien, gros. T'explique, c'est 44€ pour un chocolat chaud. Attends deux secondes. Bref, surtout les mecs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, la souris, au final, elle est vraiment... franchement, ça passe. Pour son prix, ça passe vraiment. J'ai cru que ça allait être plus de la merde que ça, mais non, après, ça va. Donc voilà, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, parce que je compte vraiment refaire ce genre de vidéo. Et la phrase culte, je donne de la valeur à mes vidéos, donc voilà. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, moi je vous laisse. On se dit à demain, ou après-demain, ou à ce soir pour un live. Et n'oubliez pas les pouces bleus, parce que ça peut aussi m'aider, genre vraiment. Tu vas jamais poster ça.